Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando consacré aux Gorges de l'Ardèche. Site remarquable pour la qualité de ses paysages, la richesse et la variété de ses patrimoines naturels, historiques et préhistoriques, les Gorges de l'Ardèche et leurs plateaux constituent un territoire privilégié pour la pratique des activités de pleine nature et tout particulièrement pour la randonnée pédestre. Les soubresauts de la planète ont formé ici, aujourd'hui, l'un des plus beaux canyons d'Europe. Et ce refuge naturel a favorisé l'émergence d'une biodiversité exceptionnelle en attirant également les hommes sur ce territoire depuis près de 400 000 ans. C'est à une découverte de ce milieu classé aujourd'hui en réserve naturelle que je vous invite à travers une sélection d'itinéraires issus du tout récent topo guide édité par le syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche. Et pour commencer, voici notre destination numéro 1, le dolmen de Chanet. Le départ de l'itinéraire se fait au niveau de la maison forestière de Saint-Rémez, à proximité de la route touristique des Gorges de l'Ardèche. À partir de ce point, un balisage jaune et blanc me met dans la direction du dolmen de Chanet. Alors dans la première partie de l'itinéraire, il est recommandé d'être fortement attentif au balisage parce que les sentiers s'enchevêtrent dans une végétation type maquis et c'est vrai que si on fait pas gaffe, qu'on bade un peu aux corneilles, on peut vite partir sur le mauvais sentier. Seul un manque de vigilance pourrait me faire véritablement m'égarer car il faut reconnaître qu'un vrai effort de clarté a été réalisé avec la signalétique en place. Je m'immisce dans la garrigue, au fil de sentiers étroits qui se faufilent parmi une végétation constituée de chênes verts, de buis et de genévriers. La nature s'épanouit sous la caresse d'un timide soleil printanier qui commence à peine à lui donner quelques couleurs. Plusieurs spécimens de fleurs apparaissent autour du sentier, dont pour certaines, il est recommandé de se méfier. Alors ici, on trouve un spécimen de forbe. Alors prudence avec cette plante qui est extrêmement toxique. Si vous l'ingérez, c'est un anticoagulant puissant. Vous pourriez avoir quelques problèmes. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'on a franchi la route qu'on va précisément rentrer dans la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. Le dolmen de Chanet n'est maintenant plus très loin. Sa particularité est d'être l'un des rares dolmens situés sur les pentes mêmes des gorges. Alors ce dolmen du Chanet a été découvert en 1867 mais n'a été classé monument historique que depuis 1889. Malheureusement, les différents objets qui ont été découverts ont été dispersés et il est donc difficile de le dater avec précision. Ce qu'on sait en revanche, c'est la fonction des dolmens qui ont été construits entre 2000 et 3000 ans avant notre ère afin d'accueillir successivement durant cette période jusqu'à une centaine de corps qui étaient déposés avec des objets et des parures. Il faut savoir également qu'en Ardèche, on trouve jusqu'à 500 de ces dolmens. En dessous du dolmen, un belvédère permet d'admirer l'Ardèche et le rocher des Abeillères. À cette époque de l'année, les amateurs de kayak peuvent profiter en toute quiétude de la rivière. Le chant des batraciens postés sur les rives les accompagne pendant leur descente. Tandis que je m'approche du fond des gorges, l'air se fait plus humide et la végétation se transforme. L'occasion d'évoquer une conséquence de cette mutation. Alors ce panneau, en fait, explique la situation de la chênaie verte dans ce milieu typiquement méditerranéen. Le chêne vert, jusqu'au XXe siècle, a été exploité en tant que bois de chauffage. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et l'ONF, en fait, réalise une étude pour savoir quelle est la place du chêne vert dans ce milieu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il va être supplanté par le chêne blanc qu'on aperçoit de plus en plus? Est-ce qu'il va se régénérer en futaie? Est-ce que les graines vont être assez fortes pour donner lieu à une nouvelle forêt? Ça, on ne le sait pas trop. Ce sont des études qui sont mises en place actuellement et dont les résultats ne seront validés et observés qu'à partir de 2018. Je reprends ma marche au-dessus des gorges. Ah, un joli petit sentier là, qui longe vraiment, vraiment les gorges. On est juste à côté du ravin, donc j'ai envie de dire méfiance si vous parcourez cet itinéraire un jour de pluie. Ça reste quand même très joli. Un peu plus loin, je m'attarde sur deux des arbres très caractéristiques de cette garrigue du Sud-Ardèche, très facilement identifiable, ainsi que vous allez le découvrir.
Alors c'est très intéressant ce qu'on a ici, puisqu'on a deux espèces de genévriers bien distinctes. Alors ce ne sont pas vraiment des essences rares, hein, c'est très typique de ce milieu végétal ici en Ardèche. Par contre, on a le genévrier oxycèdre, alors lui qu'on reconnaît assez facilement parce que les feuilles sont piquantes. Et on a deux petites traces en dessous de la feuille, comme sur les sapins. Ça fait deux traces de ski, un petit peu, si vous voulez vous en souvenir. Et ici, on a le genévrier de Phénicie, qui a une feuille beaucoup plus écailleuse et douce. Donc, c'est ainsi que vous arriverez à les différencier. Alors, sur le genévrier de Phénicie, il faut savoir qu'en Ardèche, des études ont été menées. On aurait un individu qui serait vieux de plus de 1500 ans, ce qui ferait de lui l'arbre le plus vieux d'Europe. Carrément. La rivière n'est plus très loin. Le sentier la longe en passant sous l'aiguille de Gourny. Dans ce lieu fréquenté par les oiseaux, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir la bergeronnette grise ou, mieux encore, le cincle plongeur. Il faut ensuite suivre le balisage jusqu'au bivouac et à la maison forestière. Un agent du syndicat de gestion s'y tient pendant la période estivale pour y accueillir les randonneurs qui disposent ici d'un terrain et de sanitaires. On peut également visiter une exposition photographique consacrée à la réserve. Et bien c'est ici, les pieds dans l'eau de l'Ardèche, que se termine ce premier épisode de cette série consacrée à la réserve naturelle. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission pour poursuivre la découverte de ce milieu au cours d'un second itinéraire. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée, excellente rando et à bientôt.